Aels avec Tira, Ryzen avec 2B. Pour un match près des Mesa. Mmh. C'est un match qui a une grande distance entre les deux joueurs au début d'un match. Je ne serais pas surpris de voir Aels à nouveau reculer. Donc, pour faire son adversaire approcher. Avec un souci de capuchin là. Et Ryzen qui est tout seul dans cette posture. Avec le roller peut-être, mais l'empêcher serait. Oh, il n'y a pas de punition là, il faut mettre gros là-dedans. Et on va arriver sur un premier mix-up. Non, il n'a pas voulu. Ça, c'est un autre aspect, c'est que Aels, champion du RE. Exactement. Donc, RE qui est une très bonne option contre AGS. Et contre, en particulier avec Tira, puisque elle fait partie des personnages où si elle fait la bulle, qui est son anti-bourrage, ça va quand même toucher avec le RE derrière. C'est pas le cas pour tout le monde. C'est assez important. Oh, ça se baisse pas, c'est un low visible. Oh, bien le tech trap là. Malheureusement, on va pas avoir de ring out. La pression en full charge. Non, ça n'a pas touché ce que tu regardes, je suis surpris. Oh, bonne position là. En passant dans le dos, le low derrière, je ne baisse toujours pas dessus. Respect, il est au moins 2. Oh, ça whiff. Et ça, c'est l'autre aspect, c'est que le RE de Tira avance beaucoup. Et il va devoir s'adapter parce que là, il est tout à fait dans le dos. Et comme elle a avancé, ça whiff. Disons, les développeurs ont fait beaucoup de patchs. Et pourtant, Ryzen whiff encore. Ouais, exactement. Ouais. Ah, par contre, il a pas gardé son universal cette fois-ci. Bien joué le petit shoot de Venom là. Ça ne passe toujours pas. Ryzen qui se retrouve à nouveau en coin. Il a peut-être un moment où il était moins vite. Le choix kick qui va tuer le choix B. Et tu peux pas battre à Elzo. Il connaît. Ouh, t'es à la limite du ring out. Chose, c'est ce mec à toucher dans la garde, activation de la surcharge du côté de 2B, activation aussi du côté de Tira. Il veut maintenir sa position et on va voir si c'est ça qui va sortir tout de suite. C'est un mini dans le toujours pas. Pas d'histoire ici. Ouh, on va le rater au sol. Bébé, et ça passe même pas. Il a failli finish, il lui manquait un dernier step. Ouh, attention, le ring out, ça l'a déjà pour une fois. Très chaud cette fin de round. Et le choix B qui va tuer. Toi, le choix A, pardon. Et pas de létalite, si il y a bulle qui sort. Et à nouveau le tech trap qu'on avait hier. Ah, l'anti-step il n'a pas cru. Alors c'est effectivement un nouveau solo visible, forcément ça marche. Il en profite, hein. Il sait que Anjoli il a besoin de toutes les arnaques du monde pour rendre le personnage rentable. Oh, la chope de dos. Allez, on va faire quoi, la relever, le 6 ça touche, il a touché, mais malheureusement il peut pas avoir la suite. L'anti-step avec le 6 AA. Ok, c'est pas qu'il est en coda. Oh, aïe aïe aïe, le 3B. Il n'y a pas eu de punition, Ryzen qui a du mal à rester solide sur ses appuis et à faire les punitions dont il a besoin à appliquer le match-up. C'est assez difficile. Charge d'entrée. Ok, il n'arrive pas à choper ici. Et voilà l'anti-step là. Oh, ça oui, de nouveau, bonne roulade de la part de Ryzen. Petit mix-up. Oh, ça bourre la bulle. Bonne lecture à part de Ryzen à nouveau. Ça va rien gagner ça, ça non, pas du tout, malheureusement. Activation de la sous-charge. Là, il touche du bois là, quand même, notre ami Aels là. Oh, il s'est fait toucher par le deuxième, il a pas voulu y croire. Effectivement, il fait G2, c'est le deuxième. Sous-charge pour donner un petit peu d'espace. 3BB qui va pas être fini. J'ai le personnage que bien passé, ça touche. Et superbe de la part de Ryzen qui prend ce premier match 1-0 pour l'élève de Rock. Y'a Aels qui a besoin de se reprendre ici. Il a juste à côté de l'avoir. Ryzen qui est resté dedans. Que tu vas pouvoir faire? Welcome to the stage. En tout cas, il veut changer de terrain, il a un terrain moins ouvert, il a un terrain aussi avec plus de murs, où il va peut-être avoir moins de risques de sortir. On a vu des 4-4-1 qui sont pas assez loin du tout. Ouais, c'est clair. Il va falloir, se régler un peu. J'aime pas ce terrain, je dirais. Battle 1, fight! Assez de notes. Il y a tout dans les running out, il y a des rôles. La chope qui passe du côté de 3B qui est coupé. 3B, mais qui est relativement safe, il ne sait pas moins 2. Donc, c'est ça.
métallique là. Il a pas mis la suite malheureusement. La chope. Ça en va. J'ai pas la l'air. Et ça, il me refait la même, ça marche. Dès qu'on t'a touché, mais le dès qu'il t'a touché. Il a pas cru, on aura pas chargé son Edge. Rose, il fait un choix et c'est pas le bon. Il y a encore une chope là. Oh là, il s'est dit là, il y a une chope qui arrête pas de passer, on va continuer. Et Rails. Effectivement, un c'est très peu de reconnaissance, c'est très difficile de reconnaître s'il est un follow-up ou pas. Et il s'en sert. Il se repositionne, t'as vu. C'est ça. Oh là là, ça a touché le dos. Pas à côté après le deuxième coup de. Et voilà, cette fois-ci on passe dans le dos avec une bonne finition là. Rez là qui joue super basique, hein. Step, il utilise 2-3 coups, une chope qui arrive pas de passer. Il est en jolie, il a que ça. Oh, 2 hacks, il va l'interrompre derrière le bloc rapide. Il avait besoin de faire la bulle pour passer ici. Non, malheureusement, il y a un bon choix de la part de Rez de ne pas continuer le coup. Non. La chope, oh, ça va faire des dégâts. C'est la bonne chope. Ici, là, la position derrière, les dégâts. Le mix-up qui passe, effectivement, c'est un crack. Remix-up, si ça passe pas. Oh, le second, il a passé. Il n'avait pas assez de charge pour faire le follow-up. Punition sur sa chope. Oh, il a eu le follow-up, il a dit il va sortir, je vais faire une chope. Et il a pas réussi. Il est bien. Oh, ça rate. Il reste en demi. Il a un follow-up qui permet, avec un coup en plus, de repasser en joli. Mais il a envie de rester en demi. Oh, ça va faire des dégâts, ça. Ouf, bah, ça tue. Dieu du ciel. On va faire en sorte que. On va faire comme s'il n'y avait rien, c'est rien passé. Ouais, super mal. Et la bubule, garde péché, relaunch. Effectivement, relaunch malgré le combo qui était très bizarre. Ouais, il va tenter. Il a un peu peur, hein. C'est un truc safe en regard, on peut se baisser. Oh, bien joué ça de la part de Aels qui revient bien dans ce match et qui revient à partout. On se contrôle vers lui, quoi. On l'a vu jouer très basique en Jolie. Il a pas essayé de trop faire d'arnaque, il a juste essayé de jouer en neutral. Est-ce que tu contestes ce 6B? Est-ce que tu contestes pas? Ok, je me replace. Les chopes. Un jeu qui a été très bon. Il est resté en Gloomy aussi. Ouais. Il a fait le choix de rester en Gloomy, de pas reprendre les dégâts. Pourtant, il a eu Ryzen a eu des phases qui étaient plutôt convaincantes. Rechange de terrain, on va être sur. Complètement fermé. Complètement fermé, la clairière au clair de lune. Ça va jouer uniquement des walls, alors je sais pas qui est le meilleur en wall, je pense que c'est peut-être du côté de Toubi, hein, je sais pas. Je vois très peu ni un personne ni l'autre faire des walls, je dois t'avouer. C'est clair. Je sais qu'il y a des walls avec tout le monde. Les légendes sont vraies parfois. Ça fait évidemment. C'est intéressant le choix effectivement de Akusbe qui est un auto-G pour Tira. Voilà, par contre, cette chope elle passe tout le temps. Il va falloir que Ryzen se règle pour éviter de se faire avoir. Pour l'instant, petit avantage pour Ryzen. Il a pas réussi. Ah, il a pas cru. Hein. Il a pas cru sur ce Reversal Edge. Et il avait raison parce que je pense qu'ils sont plus en tous les Reversal Edge. J'ai peut-être une mauvaise impression parce que je vais Yoshimitsu. Ok. Et le passe. Et encore le 3B. Oh là là, la double touche là sur le Reversal Edge. Et il se sort tout de suite de la position, t'as vu? Les 6B il avance beaucoup. La position, on va voir s'il va essayer d'utiliser. Oh, bien encore la bubule. Ça conteste. On a l'occasion de finir la bulle. Ça va être assez difficile aussi. Oh, il a tenté de frapper. Je suis surpris qu'à ce ça doit passer. C'est moins 16. C'est moins 16. Je suis surpris qu'il allait aller. Il a tout et il va repasser le boulot sur cette scène. Il a son charge. Oh, il a la boulule. Il fait des pressions avec ses bulles. Oh, le HS. Voilà, une grosse pression. Ah, il rentabilise bien. Il rentabilise bien cette sous-charge. On va voir comment AS va essayer de revenir, la chope ne passe pas. Là non plus, le punition là sur le step, bien joué de la part de AS, pardon, qui revient bien et la chope qui passe tout le temps. Ah oui, elle est infinie.
Il sait qu'il y a un peu près dessus là. Elle est indéchoppable. Il sait qu'il y a un peu près dessus. Il a même pas besoin de. Voilà. Ah bah, là il a décidé de mixer et c'est passé. Oh effectivement il a tenté d'avoir le Italic qui ne le rattrape, c'était un peu trop loin. Pas de finish parce que le car va l'empêcher de rattraper un peu le step. Il ne peut pas bourrer ici. Si il a choisi de le faire, il a perdu R1. Et le loup qui passe. Oh, et on va avoir un nouveau envol combo. Non. Et encore le mix-up et bon choix de la part de Aels. Voilà, il a tellement bien rentabilisé cette sous-charge. Mais maintenant c'est au tour de Aels. Il est en gloomy, il va y a une chop qui est. Non, il n'y a pas de chop. Oh là là, il y a une chop qui n'a pas été punie. Mais il met quand même la chop indéchoupable derrière. Ça lui permet en plus de regagner un peu de vie. Oh, et le 6BB qui permet à.